Cubertus. Mais Jean-François, et je pense que l'intervention ça a tellement. Allô, et. Mettez-vous Jean-François. Et intervention ça tellement important, nous préférons qu'on fasse sur 4614 91 44, qui sont l'autre numéro radio. 4614 91 44. Bon, en tout cas, et. Bon, c'est. Bon. Ouais, il est fini, il a dit le baron shooter sous la classe. Ouais. Oui, 46, 14, 91, 44. C'est ça? Alors, peut-être. Peut-être. Par contre, si Maître Jacques Séus était fini en attendant. Ok. Maître Jean-François, allez. Alors, Maître Jean-François, ou déjà avec nous, et dis-nous, on va placer deux mots rapidement sur le processus qui était abouti à la nomination de notre tête et UCREF. Ok, donc, bien vite, nous saluons les auditeurs, nous saluons tout panélisation, et nous saluons tout M. Xantus, M. Péguillan. Donc, nous faisons intervention, c'est juste après déclaration, M. Charles Jacquelin Junior. Donc, je ne suis pas intervenu dans un dossier que je ne connais pas. Et je suis un jeune garçon lié. Je me conseille pour être dans sa salle. Par contre, le dossier est très bien. Essayez d'informer avant. Il est intervenu dans un dossier que je ne connais pas. Donc, je vais présenter un compliment avec le député Découline et le député Bélizet qui connaît le dossier du Crest très, très bien. Il m'a attendu avec un pile d'intérêt. En plus, l'attention dans le là. Comment nous-mêmes nous sommes arrivés dans la tête du CREF? Dans l'année 2016, dans le mois d'avril, nous étions au courant de un avis d'appel à inscription qui était sorti dans le journal Nouvelliste. Et avant que nous ayons déposé pièce, nous, parce que ceci nous était tout intéressé, nous, vu que nous sommes magistrats qui travaillent dans le domaine crime financier, crime économique et financier, qui prend plus de formation à l'étranger, que nous étudions tout, et à part droit, tout, nous faisons sciences et nous faisons comptabilité tout. Et nous avons estimé que, vu que nous avons traité dossier crime financier, dossier blanchiment des avoirs, l'un des juges d'instruction, l'un des commissaires gouvernement, nous avons l'important pour nous déposer contribution pour aider l'UCREF à avancer. De ça fait, nous avons informé d'abord, et là, nous avons même apprendre que, il y a un directeur général qui était le Mario Maya, c'est en tête du CREF. Il y a un comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs. Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs nous a remis et rappelez-nous que c'est une entité qui est là pour élaborer et politique gouvernement en matière de lutte contre le blanchiment des avoirs. Et entité qui est là qui pour mettre en œuvre politique ça, c'est le CREF. Donc, apprendre que M. Mario Mayas était nommé de façon irrégulière, nous étions au courant tout que le Comité national de lutte contre le blanchiment des avoirs était écrit à son correspondant à ministre de justice là, pour l'informer qu'il y a une personnalité qui est en tête du CREF, qui était mal nommée, c'est une qui était nommée en dehors des prescrits de la loi de 2001. Comment il était nommé, il était gagné M. Baguidi. Baguidi était un mandat qu'il était gagné en tête du CREF en bonne et due forme. Baguidi était passé par processus CNLPA, il était gagné la candidature, Baguidi était bien désigné en tête du CREF. Mais il se trouve que pendant que Baguidi est à l'étranger, par une raison, il était révoqué Baguidi et il était mettre M. Mario Mayas. Et malheureusement, il n'a pas respecté prescrit loi 2001. Donc, c'est elle-même, elle n'a pas voulu négocier, pas voulu discuter avec des acteurs nommés de façon irrégulière. Et pas que les questions financières, pas voulu avoir l'information venue, parce que c'est un bagage qui partait, qui passait dans la tête du CREF. Donc, ça fait, le CNLB a écrit ministre de justice pour mettre
est-elle au courant de situation ça? Ministre la réponse c'est NLBA. Pour lui dire, monsieur, puisque nous estimons que en situation irrégulière, qu'on directeur qui n'a tête plus crève, qui est nommé de façon irrégulière, donc essayez nous-mêmes de formaliser la situation et régler le problème. Non. Résoudre le problème. Non. Et dans le cas de ça, il y a fait qu'on a fait la candidature. Et là, je viens pour information, ça, parce que et vu que le monde a été une situation irrégulière sans et passer par le processus CNLBA, que la loi 2001 a tracé, de me déposer pièce moins, et je t'ai tendu dans le cadre d'entrevue, et je t'ai tout profité de ce qu'on ça pour te lancer appel à la candidature pour nommer directeur général adjoint. Donc après processus ça, je t'ai choisi, non, mais choisi, non, yon. Il y a un récipient qui était intéressé à poser que général adjoint. Et je vois non ça, il y a l'exécutif là, qui est nommé directeur général de l'unité centrale de renseignement financier. Bon, par contre, écoutez, M. Charles Jacques, les jeunes Aldiens, elle dit que nous ne nous pas nommer de façon régulière. Donc, nous avons toutes pièces là. Et tout le monde qui veut prendre une consultation de pièces là, nous disposons pour nous mettre pièces, pour nous mettre mon en possession de pièces là. Donc c'est que nous sommes nommés de façon irrégulière dans notre UCREF. Nous avons mandat de 3 ans. Mais malheureusement, il y a le président de la République qui viole la loi, qui veut la soi, qui mettait fin à mandat, pas fini. Donc c'est tout ça nous a dit comme précision. Et nous estimons son gros coup pour nous. Et pour mettre fin à mandat, nous avons voté une loi. Nous avons venu avec une loi et organique UCREF. Et malheureusement, et n'en déplaise aux députés des collines, bon, bien entendu, qui était un bon comportement ensemble avec d'autres députés, par exemple, député Mané, Joseph Manès, lui, et d'autres députés encore. Donc, mes chambres députés, là, dans la grande majorité, ils prennent, par contre, c'est une carte de pied, vous avez complicité. Et le Sénat, malheureusement, prend la donne tout. Et malheureusement, de grands sénateurs, nous estimons que quelqu'un doit prendre une loi, étudier une loi pour est-ce que la loi, ça n'a intérêt pays? Est-ce que la loi, ça n'a intérêt lutte contre le blanchiment des avoirs? Mais malheureusement, le sénateur, ça a tête baissée, il a voté la loi, ça. Et pas à travers la loi, ça, comme député de la BG Soudil, comme député des collines Soudil, qui ont mis UCREF en basel, exécutif la Cougnan, UCREF a eu plein de mal de manœuvre. Donc, le président a nommé, venez-vous qu'on dit que c'est génial UCREF, j'en veux, il y a une autorité dans l'État capable, même si UCREF a reçu le soupçon de l'institution financière, il n'y a pas qu'à ouvrir aucune enquête, parce que le ministre de la Cadia, non. Ou pas qu'à mener une enquête contre Mounza, le président a dit, parce que UCREF, loi sur le côté là, c'est de UCREF, une institution qui est sous tutelle. Et merci un pile, et M. Jean-François. Bon, malheureusement, on n'a pas qu'à être trop avec nous, mais quand même, ou une idée de raison qui expliquait et retiré une tête de UCREF? Bon, et c'est une très belle question. Bon, moi-même, ça qui vient, c'est que t'es gagné un rapport. Un rapport qui est sorti contre M. Jovenel Moïse. Et le rapport est sorti, et même moi-même, l'aime t'es paraître en 2016, l'aime t'es comme en Ukraine. Directeur d'investigation, t'es au moins 4 rapports. 4 rapports d'enquête qui étaient finis. Même l'être informé de toutes les conditions et je t'ai informé spécialement que, par exemple, le dossier M. Jovenel, là, son dossier qui a commencé en 2013. Donc, il se trouve que la commission financière en 2013, qui a pris tout son bail UCREF, et en 2013, il y a une enquête qui a ouvert sous M. Jovenel Moïse. Et rapport à ce qui est fini, donc moi, je ne forme d'où ça, je ne pas poser aucun acte d'enquête dans le cadre de ce dossier. Donc, je recevoir 4 rapports d'enquête parmi eux, même rapport, M. Jovenel Moïse, là, que je suis acheminé directement dans le paquet. De bien entendu, et moi-même, ça me reconnaît, je sens que révocation de la tête UCREF entraîne dans une logique, une stratégie,
pour exécutif là mettez toutes les institutions sous tutelle pour le cas dit et commander pendant que le président a dit la renforce des institutions, même ça qui a fait là, c'est démenti, il a démenti le côté des institutions. Ça a un minimum de vie, un marge de manœuvre pour faire le travail. Mais malheureusement, il prend un démenti. Donc, mon cadeau, tout simplement, c'est ça que je comprends dans sa vie. C'est une volonté pour empêcher le travail. Parce qu'on est pour la corruption et dans le pays d'Haïti, ces règles-là. Yon jeune garçon qui ou technicien qui a battu à combattre la corruption, de fois maintenant d'ailleurs qu'on son démon, c'est un individu à abattre, de estimer que c'est dans la logique ça, yon dit même amant d'âme contre Victor Gingras du Christ. Merci un pile, maître Jean-François, l'espéré une prochaine fois on a parlé plus long sous ça. Merci un pile pour intervention dans le moment vérité. Merci pour vidéo et me remercier tout le monde qui a de nous là et tout par l'édition. Merci. Voilà, maître Sonel Jean-François en direct dans Ma Vérité, maître Joseph a conclu et Wap Djoumo et Charles. Certainement, frère Djoumo, pas qu'à dire si Wap Djoumo. Bon, Mando, ça te gagne très rapidement que maître Sonel Jean-François, c'est pour un monde que je connais personnellement. C'est-à-dire, je n'ai pas absolument aucun a priori par rapport à elle comme citoyen. Je suis à distance, je fais remarque que son monde qui a une grande force de caractère. Donc, je respecte le pour tempérament, pour professionnalisme, etc. Cependant, ça que tu as discuté là tout à l'heure par rapport avec la question UKREF, là, côté que le député Anel Belize soulignait que M. Sonel Jean-François était rentré dans le poste là selon toute sa la loi dit, moi je me dis non. Et non pour qui ça? Parce que justement, M. Sonel me saute ou expliquer toute démarche qui mène dans la tête UKREF là. Moi-même, moi connais que d'informations qu'il a disponibles sur le téléphone, moi, que il a été lancé effectivement appel à la candidature pour poste. Et directeur UKREF là dans zone 21 avril 2016 et à 4 heures lancé et appel là et le lendemain 24 avril soit 24 heures après yo te gen tan di yo recevoir 12 dossiers et dans 12 dossiers que yo recevoir yo auditionné moun yo jusqu'à minuit et que yo retenu le nom de maître Sonel Jean-François. Maintenant selon ça qui tracé par rapport avec loi UKREF là faut qu'au moins yo te voyé 3 noms aller. Maintenant commission qui a fait audition, il voit un seul grain non. C'est-à-dire il pas bay possibilité pour que yo te fait équilibre, c'est-à-dire yo voyez que non maître Sonel et Jean-François Allais, il y a la lettre ici, la lettre est signée par monsieur Martino Guerrier qui dit suite avec audition, il te recevoir 12 dossiers. Martino Guerrier, sénateur. Oui, l'ancien sénateur qui était en tête et non, Martino Guerrier à l'époque, il était en tête et qu'on a. Ah, OK, très bien. Et là ça il dit nous recevoir 12 dossiers, nous fait audition Mounio et nous retenu un nom. Et nous demandons seconde encore. Non, qui t'aime finir là-bas, OK. Il retenu un seul nom qui c'est maître monsieur Sonel Jean-François. Et pour le poste, pour le poste de directeur général adjoint, le comité a retenu et vous recommande le microphone. Les trois noms suivants. Et dans trois noms, ça y est, il y a M. Émile Brunet, il y a M. Widley Charles-Pierre et M. Clevens Sanon. Pour le poste de directeur adjoint, on a proposé trois noms. Pour le poste de directeur général, on a proposé que le nom de maître Sonel Jean-François. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, je n'ai pas qu'un a priori contre maître Jonel François. Les mêmes là-bas, il y a plus d'explications sur ça. Et c'est suite à ça, Anel dit que monsieur René, etc. Il me dit non, ça ne passe pas toute règle, puisque pas d'impossibilité, justement, pour te. Maître Sonel Jean-François, rapidement. Maître Sonel, si vous éclaircissement, ou maître Bailly. Mais voilà pourquoi j'ai demandé. Laissez-vous le récepteur, là, maître Jean-François. Au député Anel, plus de précision. C'est ça, ma fille, là. D'accord. Ou maître, éliminer le net, baissez-le de jour. Radio a by feedback. Voilà. Mais monsieur Jacques Junior, est-ce que c'est moi qui t'ai obligé CNLBA à recevoir un nombre de candidatures? Parce que c'est dans la nouvelle liste et quand il est sorti notre là, tout le monde qui est intéressé qui est. Faut que nous ça franchement, ton directeur général puis que son poste technique lié, faut des formations pour lui, faut qu'on traite des dossiers blanchiment, faut prendre formation dans le domaine des sciences comptables, dans le domaine droit, dans le domaine économie, etc. Mais c'est pas ça,
seulement d'après M. Jacques Lal plus loin, pour le dans tout appel à tout candidat et appel à la candidature des machos, est-ce que qu'on a un pile candidat? Non, parce que faut qualifier pour ça. Et je, bien entendu, malheureusement, M. Jacques Lal parle tout notre là. C'est que je dis qu'on a deux mondes qui devaient poser candidature pour poste directeur général. Il y a deux mondes qui ont une pièce qui était manquante. Il y a une pièce manquante. C'est-à-dire, pièce, nous, c'est trois mondes qui ont une pièce manquante. Moun ça peut-être, d'après moi, ça ne vient pas de faire la même licence. Comprendre, moun ça pas de même licence. Parce que les critères de qualification, ils vont se réunir. Et deux autres mondes, c'était moi, l'autre monde n'est pas fini entre eux. Donc si l'autre monde n'est pas venu entrevue, est-ce qu'on doit chercher l'autre monde de gens qui passent même dans le concours pour avoir un nom là? Et bien entendu, vous basez sur le nombre de monde qui est venu. Et moi-même, bien entendu, je ne vais pas qualifier pour le monde. Vous passez très mal, mais la communication est essentielle à passer. Et nous comprenons les précisions, bah, là, M. Jean-François. D'accord, merci. Donc, comme on a dit, il y a trois candidats pour le poste de directeur général. Il y a une qui n'a pas déposé toute pièce, il y a deux qui étaient retenus pour une entrevue. Mais malheureusement, il y a une graine qui n'a pas fini. Et pour entrevue, ça peut nommer vous et non seulement par l'exécutif. C'est ça. Merci un peu. Monsieur, ça vous clair comme précision. Merci beaucoup. Et Fred, super, m'a fini très vite. La première chose est... Actuel directeur général, c'est Joseph Oldi Bellegarde. La première chose est, Fred, Exantus, c'est que dans lettre que j'ai là, qui est signée par M. Martino Guerrilla, il a écrit clairement que vous avez recevoir 12 dossiers. Et que dans 12 dossiers, ça yo, après analyse des dossiers, vous avez choisi pour poste de directeur général là, M. Sonel Jean-François. On a mentionné dans la lettre 12 dossiers. Non, c'est formel. C'est la première chose. La seconde chose, c'est le fait que le 21 avril, dossier a du public. Et c'est le 22 avril, dans l'après-midi, il dit qu'il a auditionné toutes 12 mounio, donc il est prêt. Et par conséquent, pour le poste de directeur général adjoint, on a fait la proposition de trois noms. Maintenant, Mpapral dit M. Sonel. Ça ne concerne pas la personne de M. Sonel. Oui, c'est la procédure. C'est pas vous-même en question. Je ne vous mets pas en question. C'est la procédure. La procédure est faussée à la base. Et vu que la procédure est faussée à la base, on a des cas sujets à interprétation. Tout. Oui. C'est ça. Merci un peu. Et M. Joseph, c'est où tu as conclu. Et des derniers mois, vous finir. Ouais, moi-même, c'est encore ces mêmes bagages-là pour question de loi. Pour me retourner à la même position qui t'a dégagé tout à l'heure, moi je pensais que faut ni parlement ni exécutif là tenu compte que une institution tant que UCREF, c'est une institution qui est très importante pour question gestion financière PIA. Oui, pour gestion financière PIA, pour confiance dans finance PIA, dans l'argent, dans question transaction bancaire. Dans le pays, à toute activité économique, yo, si vous n'avez pas tenu compte de ça, vous n'avez pas tenu compte juste dans le contexte que vous avez voté. C'est un contexte qui tenait compte à la fois des questions, vous connaissez, des questions Guy Philippe, des questions président, dossier président qui allait devant le tribunal. Septembre. Guy Philippe, face à qui est-ce? Okay. Face aux autorités vraiment corrompues haïtiennes. Avec oui. Que, ouais, tout ça n'est ça pas le matériel qu'il... à faire pour craser, je venais là faire pour casser. Quasi toute institution qui avait le contrôle, je dis à Sambadlé, c'est lui nous allons obliger à appuyer. Bas espace, parce que quand le Canada, la France parle cacher des oiseaux bec fait pour arrêter une série de corrompus en Haïti. Merci, Anne-Laure. Moi-même, journaliste, pas parlé de rapport BUH là, face à Unibank. Comme si Haïtien pensait que l'Ina Mondelan, pourquoi? C'est ça. Merci, monsieur. Malheureusement, parce que vraiment, en tout cas, même parce que c'est indépendance, institution, ça, c'est ça. Samedi c'est prochain. C'est eux qui arrangé ni pouvoir, ni parlementaire. Jour Guy Philippe Lamte dans le Parlement, c'est pas contesté pour y aller contester question arrestation Guy Philippe Lamte dans le Parlement, dans le Sénat. Me dit ça qui est plus important, qui alternative il y a offri. Et l'État ici, et la communauté internationale là, que nous avons justice indépendante,
Non, justice qui prêt pour arrêter, qui prêt pour condamner, qui prêt pour assumer responsabilité. Samedi prochain, n'a pas samedi n'a pas plein feu sur rapidement. Et message bataille à lancer, n'a pas invité DDH, professeur, bureau des organisations de défense des droits humains. Nous avons un programme, n'a tout lancé jeudi, nous avons un programme, direction formation, gain une section que l'Institut de formation en droits humains. Nous allons accompagner étudiants qui remettent mémoire, étudiants 4e année, qui remettent mémoire, étudiants en droit. Nous avons déjà lancé inscription pour étudiants en droit. N'approche ton rencontre, mais étudiants qui sont intéressés, ils mettraient les 3106-5119. 3106-5119. Merci un peu, monsieur. Et après, les noms, l'autre numéro qui c'est 3745-9099. Nous parlons de formation pour de jeunes avocats, d'étudiants 4e année qui besoin de mettre mémoire. Nous avons une formation accélérée. Ce n'est pas une formation générale. Nous avons une formation qui est axée sous mémoire pendant pour une formation à rédiger mémoire en même temps. Pour travailler ça. France. Donc, je souhaitais que c'est une formation qui est plus globale, nous parlons. Nous encourager les étudiants vivement à venir prendre. Merci, Vincent. Ils vont se mettre dans le micro. Dans les conditions de formation, ils vont mettre dans le micro. Dans les conditions, des formulaires. Et puis, merci, M. Joseph. Très bien. Et m'a dit, employé au AVCTO, même Jean Degen Lot qui était baillé au soutien, bagarre à lancer. Nous parlons de chita avec étudiants. Nous allons chita avec ouvriers. Nous allons chita avec tout le monde qui est dans la justice qui sentit que ça m'a tant de superbe là faire la liba normale sous complicité parlement. Pour nous qu'on ait bataille en orientation sérieuse. Parce que tout problème que qui a. Orientation politique. Non, son bataille. Bon pédil. Non, il n'est pas obligé d'orientation politique, mais tout est politique. Parce que Jovenel Moïse pensait son matin de superbe lié. Pas gagne l'autre monde dans le pays parce que il y a des corrompus au niveau du parlement qui ballon boulevard. Ça fait de lui que c'est ministre, c'est premier ministre, c'est sénateur, c'est député. Mais nous-mêmes, nous avons l'autre ligne. Nous disons bataille à lancer. C'est un pile député. Pas qu'à camper comme ça. Réunion à la même position pour nous dire Jovenel, ça le pense à le passer. Merci un pile. Et Peggy, après ça, il faut passer dans la production. Production en besoin. Mon vérité de salia. Bonjour, bonsoir tout le monde qui est là. Reprise émission, c'est demain. Merci un pile. Demain soir, 8h. Bye bye tout le monde. Bon week-end social FM. Les sujets qui fâchent, les grands dossiers qui tiennent la nation à cœur.